Le manager sélectionneur Rigobert Song a donné une conférence de presse mardi 29 août 2023 au centre technique de l'Africa Foot à Oza, à Yaoundé. 24 lions en octobre ont été convoqués pour le match capital du 12 septembre prochain face au Burundi et comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN 2024 qui se jouera en Côte d'Ivoire. Le Cameroun a l'obligation de s'imposer face à la sélection burundaise. C'est dans cette perspective que Rigobert Song mise sur des joueurs en forme en ce moment. Comme annoncé sur Chaba Sport il y a quelques jours, le gardien de Manchester United, André Onana, fait son grand retour dans la tanière des Lions en Ontario. Il n'y a jamais eu de problème. Je l'ai dit lors de la dernière conférence ici que tout dépendait de lui-même et il savait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'aujourd'hui, s'il est dans la liste, c'est parce qu'il a fait ce qu'il fallait. Et aujourd'hui, je pense qu'il fait partie des meilleurs gardiens, que d'ailleurs, on félicite beaucoup. Et je pense que la porte est restée toujours ouverte, comme je l'ai toujours dit. Aujourd'hui, il vaut mieux avoir tous ces joueurs-là que de ne pas les avoir. Donc, il n'y a jamais eu de problème avec André. Et comme je l'avais dit, c'est lui seul qui savait ce qu'il avait à faire. L'autre retour, c'est celui de Clinton G. Sa dernière apparition avec les Lions indomptables remonte lors de la CAN 2022 organisée au Cameroun. Auteur d'un bon début de saison avec Sivasspor, ses performances n'ont pas laissé indifférent le manager sélectionneur. Le pays a besoin de cette victoire et nous savons que nous pouvons compter sur lui. Il a raté le penalty lors de la dernière CAN, mais cette fois-ci, je suis sûr qu'il ne le ratera pas, a déclaré Rigobert Song en conférence de presse. On note également le comeback du défenseur de l'AEK Athènes, Harold Mukudi. Le colosse qui a signé un doublé avec son club la saison dernière et titulaire en ce début de saison avec la formation grecque fait son retour également dans la tanière depuis 2022. En résumé, le sélectionneur Rigobert Song n'a retenu que 14 joueurs qui étaient présents au Qatar dans sa liste pour affronter les Hirondelles du Burundi. Le nouveau venu étant François-Régis Mougué, 19 ans. L'ailier de l'Olympique Marseille fait partie des poulains de Rigobert Song qui descendront dans l'arène pour obtenir le ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2024.